une autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec l'équipe TV Caraïbes depuis Montbado Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous pas l'invité écouter ou bien suivre président République là, Jovenel Moïse, qui pourra répondre question deux journalistes Radio Télémétropole ici dans Haïti. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes là, veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous. Positive ou bien négative. Ici, dans Montbado Police, équipe TV Caraïbes là, nous apprécions ça en pile. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous déroulons avec information. Yo. Président République là, Jovenel Moïse, sorti en silence encore après, il répond question journaliste dans Palais National 15 octobre 2019 là. Jodia, c'est lundi 28 octobre 2019. Eh bien, Jodia, nous allons vite écouter président République là, Jovenel Moïse, comment il répond une question des journalistes. Radio Télémétropole, non studio, Radio Télémétropole. Eh bien, nous ne pas perdre du temps, nous allons commencer à couler. Interview qu'on va pas accorder la presse et qu'on va accepter de recevoir matin pour interview ça. Première question que nous avons posée, c'est tout secteur, je dis, hein, qui levait campé contre qui a demandé pour le président Jovenel Moïse démissionner. Nouvelle SAO, appel SAO, si vous voulez, il fait écho dans les oreilles. Ou tendez-yo? Sûr. Est-ce que le président Jovenel Moïse a démissionné Jean Larue a pendu ça? Premièrement, Wendel, m'a dit merci parce que, en fait, j'ai eu bonne chance ce matin pour me parler avec le peuple haïtien. Et avant de commencer, je vais profiter de ce moment pour me parler de monde qui a perdu. Le monde qui cher à eux dans un moment difficile, ça, parce que le pays, hein, depuis, je dirais, tantôt deux ans, là, on a des moments extrêmement difficiles. Depuis le 12 septembre 2017, il y a des manifestations qui commencent dans le pays. Hein, et ils ont intensifié à partir de l'événement 6-7 juillet. Je profite du moment ça pour me dire, pour me présenter sympathie à tout le monde qui est victime d'une façon ou d'une autre façon de. Moment difficile ça. Petit machin qui perd du business. Monde qui a un camion, propriétaire de camion qui a incendié. Monde qui a un magasin, qui a une boutique qui a pillé. Et c'est pour ça que nous prenons décision au niveau du ministère de commerce pour que y ait une commission qui mette sous pied. Je connais que y a des monde qui au courant et je connais que y a des. Et rappelons ça tout pour identifier toutes victimes à travers tout le pays. Moi, j'étais parlé avec le Premier ministre qui dit que, à travers la direction police judiciaire ou un travail d'enquête qui a mené tout, je crois que l'important pour Mounzaro, pour me dire que nous-mêmes, aujourd'hui, nous croyons que ce n'est pas ça. Que le pays a mérité, c'est pas ça eux-mêmes tout qui ont mérité. Mais le moment est difficile, nous avons un moment de crise, donc qui est extrêmement difficile, moi je connais. Et c'est pour ça que je me présente, je prends un petit temps ça pour me dire que Jean en pilgrim mon condil, leur parle fait clair, c'est le sale fait pinois. Question là, je comprends ni et m'a dit que. Aujourd'hui, 2019, c'est le président Jovenel Moïse qui est au pouvoir, et deux ans, huit mois à de pouvoir, et où il a gagné un pile secteur dans la société là, qui demandait le président pour démissionner. Je profite pour me dire, et si nous avons l'autre résultat, avec même ça que nous avons fait, nous avons toujours commettre même erreur parce que même cause il produit les mêmes effets. Et je dis, de 1986 à aujourd'hui, pays a connu 15 présidents, 22 premiers ministres. Ça veut dire que si nous faisons moyenne, nous avons 33 ans depuis 1986 à aujourd'hui. Ça veut dire chaque deux ans et quelques mois pour les pays, tu as presque qu'on a un président qui nous fait moyenne. En regard des situations de 1986 à aujourd'hui, garder indicateur nous et si nous suivons pendant 14 ans ça c'est le ça pays a te connaît une stabilité je dirais
apparente. Il y a été relativement calme. Est-ce que nous qui avons dit ça, c'est un modèle qui marchait? Ça veut dire que son pays, chaque temps qu'on président qui est élu, c'est un coup pour gagner une force étrangère qui peut maintenir au pouvoir. Moi, je pense qu'avec l'arrivée de Jovenel Moïse à la tête du pouvoir et crise que nous avons connue aujourd'hui, je pense que le pays a une grande opportunité pour nous faire bailler l'autre gens. Que nous pas obligés, leur grande crise politique, c'est des luttes à mort pour nous faire. C'est-à-dire des luttes à mort qui menaient, qui bord, non, retirer tête pas pour mettre pas. Parce que moi, dis non, dans l'interview que je me baille en journaliste étranger, je me dis clair que le président Jovenel Moïse l'a accroché à des réformes. Dit, est-ce qu'on paye, qu'on comprenne, qui, dans la situation par nous aujourd'hui, qui a vivre côté le président qui fait une campagne électorale, li marche dans tout le pays, li fait des promesses, et arrivé au pouvoir, li dans une situation par rapport à la promesse qu'il a fait, faut qu'il rentre dans des négociations politiques. Et parfois, des négociations politiques stériles, nous avons passé pendant 9 derniers mois, depuis le mois de mars. Donc, un premier ministre qui démissionnait en gouvernement. Jusqu'à présent, le pays a vu sans gouvernement. Pour maintenant vivre ce sujet avec vous, moi, je crois que je dis, ça qui est plus important pour le pays, ça, c'est pour chaque haïtien. Chaque haïtien. Je ne veux parler de acteur. Qu'on est que seul gens nous avons mis le pays, ça, dans la route de stabilité. C'est rivé, nous chit attendez, qui permet que nous venions à accord politique. Et de accord politique, ça, nous avons un gouvernement d'union nationale. Et de gouvernement d'union nationale, ça, nous avons une feuille de route qui permet de nous entrer dans la dernière transition. Même dit dernière transition, ça veut dire c'est parce que son transition que nous avons connue depuis 33 ans, président. Je veux parler de mon prédécesseur Michel Martelly, le quitter le pouvoir, l'obliger son transition, quitter, faire élection comme président. C'est-à-dire, faut nous revenir au carrefour, côté pour nous comprendre que transition, yo, et puis faut nous suivre, qui est sa transition, au poté. Transition, son seul bagage, au poté. Au poté des bagages pour des groupes, moun, bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays, ça, c'est-à-dire, contrat par avantage peuple, là, c'est dans la période de transition qui aussi. Que yo gen doit par exemple moi exemple transition 2004-2006 contrat qui coûte l'état au final si nous arrivons en 2023 avec lui 1 milliard 120 millions de dollars c'est sous transition ça veut dire et qui contrat lié nous voulons parler de contrat que l'état fait pour les une usine que l'état a gagné. Et puis, ils font contrat avec mon privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le privé. Et puis, le pays privé, c'est au final, je voulais parler du contrat de la Sogener. Au final, c'est un contrat qui peut coûter l'État, si nous t'a quitté, parce que, heureusement, nous prenons décision que nous prenons semaine dernière. Si nous t'a quitté le privé en 2023, nous-mêmes qui n'avons pas payé, pour nous arrêter comme irresponsable, et puis nous avons dit que, OK, il y a des secteurs qui dit que faut que le président aille et puis me dit bon et moi démissionner et puis maintenant nous pour aller vers un chaos tout droit. Ça veut dire un pays qui a des groupes armés à travers tout le territoire d'ailleurs son héritage que nous venons et je dis pas ces problèmes ça aussi pour ensemble nous chita entre haïtiens pour adresser parce que violence il entraîne violence ça veut dire si on fait violence violence pas cabot l'autre bagarre violence. Est-ce que M. le Président, contrat ça, parce que vous annoncez que le contrat est résilié, parce que ça n'a pas coûté au gouvernement plus de milliards de dollars. 1 milliard 120 millions. 1 milliard pour Youn. Mm-hmm. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas une clause qui va vous garantir? Est-ce que. Parce que les gens le font là, semblent le faire de façon unilatérale. Bon.
Je dis, je dis, il y a des décisions, le président, ou il y a une responsabilité face à la nation, hein, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir le peuple. C'est propre pour eux. Le contrat, ça a été signé. Au clair, ce n'est pas Jovenel Moïse qui est président, ce n'est pas moi qui est président. Mais ce n'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, j'ai eu une chance, comme journaliste, de trouver copie rapport, commission intérimaire, qui demandait de renégocier le contrat ça, un rapport qui sortit en 2015, en novembre 2015. Rapport ça, moi, Lille, c'est un rapport de 500 pages, qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, vous regardez. C'est pas son scandale, ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je veux dire, moi-même, moi, prends courage, moi, demain, pour me dire, peu pas ici, hein. L'été, pour me défendre cause, lui. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas, nous, ça, moi. Ça veut dire, je veux dire, hein, les clairs pour me dire que nous prenons décision, et me ça clair dans tête tout le monde. Moi, tandis que il y a des gens qui parlent de nationalisation entreprise privée. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous venons de parler de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papa Jean, bien pour nous parler de ça dans l'interview. Je ne suis pas là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment vous êtes capable de rester pour ne pas faire promotion business dans le pays? Mais nous pas qu'à faire promotion en pratique qui est state capture. Nous pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous d'un chef d'État, et puis pour nous quitter 3-4 personnes, hein, camper, parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a eu l'argent dans les mains, et puis pour nous dire que, je dis, hein, c'est pour nous faire une mise au détriment du peuple haïtien qui finit bon pouvoir. Mm-hmm. Monsieur le Président, qui t'a ajouté sous question Wendell là, que si on contrat l'État haïtien avec des entreprises privées, son loi te fait ça. Je dis à là, vous êtes président de la République, vous trouvez que il y a des inégalités dans le contrat, ça, c'est bien, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. C'est dans le cadre la loi pour ta résiliation de contrat, ça, s'il faut une résiliation. Est-ce que vous l'admettez ainsi, monsieur le président? C'est une très très bonne question. Premièrement, faut me dire, en répondant à une question, hein, ok, par contrat. Premièrement, dans trois contrats, c'est un et demi qui est effectif. Ça dit pas, c'est un contrat et demi qui existe, je vais l'expliquer. Eltrac font contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produit 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produit 6 MW d'énergie électrique sous Okaï, ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat ça a expiré. Décideur de l'époque, il a eu le droit eux-mêmes. Yo, cette décision ça a été prise, yo continue à payer et traque sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre factures, et ceci, moi-même, tout pendant 2 ans et demi que je me fais président, c'est 2 ans et 8 mois, c'est comme ça, ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec le monde. Comment vous campez pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans le. Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on est qui ça qui gagne un contrat. Qui ça qui n'a pas d'avantage. Parle qui ça qui gagne un avantage. Et d'ailleurs, l'État suppose tout ça qu'on a signé un contrat avec un monde, force un avantage. Population pour lui. C'est pour ça pour me répondre, pour me dire que gagne un contrat dans un contrat qui expire depuis 2014. Ça veut dire aujourd'hui. Je voulais ça pour m'éclaircir pour tout le monde, pour tout le monde comprendre, pour nous poser une question. Contrat qui était fini en 2014, là, avant hier, l'État prend une décision qu'il prend. Il prend une décision, et je dis à ma dit le public, c'est pour une décision que l'État a saisi usine entrepreneur privé. Service, nous, au niveau, au plus haut niveau de l'État, te fait nous connaître, il y a des gens qui mal intentionnés, qui étaient sortis pour à vandaliser usine. C'est pour ça que, à travers EDH, il y a une décision qui était prise pour sécuriser l'usine. Mais l'État n'a pas saisi l'usine et tout. Je veux ça clair, peut-être tout le monde qui a attendu, qui a regardé. Usine Okaï et usine Petit Gouave, c'est 6 groupes électrogènes de 2 MW qui sont dans eux.
L'État prend une décision lui-même qu'on y a pour l'acheter groupe PAL, pour le remplacer groupe ETRAC. Ça veut dire pour le remettre ETRAC, groupe électrogène PAL. Mais en attendant que l'État qui prend une décision, il me connaît, il y a des démarches qui ont fait parce que j'ai un rapport quotidien sur le dossier ça, sur le dossier que m'a suivi de très près. Moi, je connais pour parler qu'a fait avec le PDG de l'État pour joindre qui gens qui meilleur moyen pour yo faire une transition harmonieuse pour remettre l'État groupe lié et puis pour l'État lui-même rentrer avec l'autre groupe. Mais qui s'est passé dans le contrat ça? Il m'a dit, nous, ma ben nous document tout. Je pense que le public qu'on y a pour nous capable de lire pour nous. Son contrat que rapport ça qui ça le dit. Rapport là dit que et me confirmer parti ça. Il dit que deux centrales ça ont coûté moins que 5 millions de dollars. Centrale ça que nous joignons là aujourd'hui hein, qui sont centrales qui sont centrales de 16 mégawatts. Les deux centrales ça aussi c'est deux centrales de 6 mégawatts ça fait 12 mégawatts qu'on y a joignons deux centrales de 16 mégawatts qui encore cap coûter meilleur marché que prix dans le rapport ça qui c'est environ 4,8 millions de dollars que central ça a coûté. Même rapport ça a dit deux centrales ça a coûté l'État haïtien au final 146 millions de dollars. Nous on fait un calcul simple. 4 millions 800 000 moins 146 millions. On fait pour nous combien que l'État dépensait plus de 140 millions de dollars que l'État dépensait nos centrales que l'État a acheté les mêmes opérés parce que en clair l'État central qui j'appelle là c'est pour l'État lié centrale qui Jérémie c'est pour l'État lié centrale qui porte de paix c'est pour l'État lié centrale qui Chevry dans la liberté c'est pour l'État centrale qui Saint-Marc là c'est pour l'État mais c'est des centrales c'est l'État qui a opéré pour qui ça deux centrales de 6 mégawatts l'État pas de acheté les opérés nous pas le retourner pour nous poser question pour qui ça contrat ça te signe. Mais je dis à contrat fini, nous décidons de faire l'État prendre pour l'État pas payer quoi encore. L'homme dit pour l'État prendre, ville ça. La ville de Caille et la ville de Petit Grave, pour c'est lui-même qu'on y a qui produit, ok, qui distribue et puis qui collecte quoi pour ne pas obliger le monde pour la payer. Et nous dit dette qui est sous centrale ça, un arrangement qui a fait. Entre le ministère des Finances, le DH et fournisseur ça, parce que nous reconnaissons la dette, parce que son contrat est signé pour payer fournisseur la dette, pour faire un arrangement. C'est pour qu'on puisse payer un seul coup, parce que nous n'avons pas moyen ça. Contrat numéro 2, le contrat de e-power. Son contrat qui signe, contrat signé, non contrat. Gagner trois rapports que demandent nous tous pour le public. Gon rapport te gagné un cabinet d'avocats qui te font un rapport pour la Bible. Gen rapport Banque mondiale, gen rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout qui clair qui dit que contrat ça il pas respecté les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État mal chercher intérêt à l'État, le mouvé. Moi, je joigne que yon centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport à dit. Même t'étant dit dans une interview avant hier, yon responsable par yon dit le contraire. Rapport a dit que centrale la coûte 36 millions de dollars. Responsable par yon dit que c'est 54 millions de dollars centrale la coûte. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport à dire. Quand surtout au central qui coûtait, ça veut dire, si je dis à Pepe Haïtien qui a regardé la capitaine de Mna, moi, t'allais dans BNC, qui c'est banque l'État haïtien, je te dis, prêtez-moi 36 millions de dollars pour construire un central. Ça veut dire, je t'ai fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision. Et me prend et me demande peuple haïtien aujourd'hui hein, excuse c'est aujourd'hui à me prendre me demande l'excuse parce que moi pas
gen tan pran anvan lè. E map tou dil pou ki sa m pat gen tan pran anvan lè. E map dil pou ki sa m ekskuse m tou, se ke mwen pat gen informasyon yo. Te gen retansyon d'informasyon. Gen pil moun ke nou t'oblije remplase pou nou te jwenn informasyon yo. E jodi a nou jwenn yo pepla, se sa ke fè nou an kapasite, posèman. San nou pa gouman, nou pa nan gouman person, nou vle di l'kler, nou la pou nou poteje intere, pepla, intere l'Etat. Ave di, kontra sa ta pral koute l'Etat, $720 million en 2026 la, nou, sa nou fè nou rete emouraji ya. Sa vle di, nou pa nationalize central, i pa wè. Central la rete propriété, i pa wè. Maintenant, si gen de aranjman ki vle fè apre, le kontrat fin koupe, soit pou yon vann central la nan pri reziduel li, pri le koute, ou bien i pa wè ka deside a travers ANACE, paske sa pou nou kompren tout. Reforme kap fèt nan sektor enerji aujourd'hui ya, pa pèmèt l'Etat tout, achete kouran nan men moun. Sauf un cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, on spot contrat, on fait un contrat à court terme qui pour permettre que pour contrat à court terme ça pour permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire monde qui produit aujourd'hui, hein, c'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est vous qui pour vendre, c'est vous qui pour distribuer, c'est vous pour vendre. Ça veut dire c'est l'inverse pour une payer l'État taxe. Mm-hmm. Voilà. Ça veut dire pour me finir avec, pour me finir avec. Pour ça veut dire deuxième contrat ça, me veut ça clair dans tête tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, rete usine, c'est propriétaire actionnaire. Il parle. Mm-hmm. Monsieur le Président, mm-hmm. on a parlé d'énergie, ou dit que ou pas de toute information ça de ce côté-là et ou excusez ou et par devant le peuple haïtien alors que dans question énergie à même où tu fait de grandes promesses d'électricité 24 sur 24, est-ce que là c'est n'a fond déduction, vous étiez dans de fausses promesses, mensonges ou c'était quoi erreur de calcul? Moi connais, c'est encore une très bonne question et encore ma petite peuple là. Et c'était bon pouvoir pour venir changer la ville. L'homme était dit en juillet 2017 que le pays a pris le courant 24 sur 24 dans 24 mois. Moi, j'ai comparé par rapport à un pays comme Jamaïque qui lui-même qui était dans le fait noir tout. C'est un problème d'électricité. Et ils font une réforme là, ils mettent 410 MW. Ma parlé de 2015. Je dis, sur chaque 100 Jamaïcains qui vivent, il y a près de 98 qui vivent. Nous sommes dans la même situation avec eux. Ce n'est pas ton mensonge. Ce n'est pas ton mauvais promesse. C'était justement un citoyen qui vient président, qui était grand gourmand pour bien-être population. Mais c'est ton citoyen qui, je dis, qui meurtrit, qui finit ouais, qui ça un groupe monde. Camper dans le secteur énergie, bon même mise qui fait sous lui et qui goumet cap retirer en bas griffe moun sa. Jodi an, si moi gen yon l'autre excuse encore que m'kape m'kamande peuple la, m'ka dil la pilon que tant que m'te dit, mais c'est vers ça n'pour aller. Si m'ka excuse pour comprendre que c'est là n'pour aller, Jean. Nous prêter $150 million dans Taïwan pour nous faire réseau électrique, mais qui bloquait par un autre pouvoir. Et pourtant, nous pas jamais, et pourtant, comme là, mais nous pas jamais qu'à dépenser. C'est pour me dire aujourd'hui hein, que entre la volonté et la vision d'un président et le système, il y a un monde de différence. Et c'est pour ça aujourd'hui hein, on prend courage, moi. Pour me dire du peuple haïtien la vérité. Pour me dire que dans sa mété, parce que c'est le bon pouvoir. Si il n'y a pas de corrémie pour les réformes qui sont pour faire, parce que je ne parle pas pour faire, moi j'ai une volonté pour me faire. Mais j'ai besoin. J'ai besoin de le vote là. C'est comme ça que j'ai besoin aujourd'hui pour me faire réformer.
parce que sans lui, je ne peux pas faire. Parce que son pays, côté d'un groupe qui fait même isolé au détriment du peuple. Et ce n'est pas secteur énergie seulement. Sauf au fur et à mesure que je parle à peuple. Je dis, dans l'interview, ça va que nous avons pour nous parler encore. En pile réforme qui pour faire, en pile côté monde a pesé sous ça, nous allons dire, faut-il lever. Parce que c'est rôle nous, c'est mission ça peuple pour moi. Ça veut dire c'est pas que mettez gon volonté en 2000 juillet 2017, on me déballe menti. Mettez gon vision, mettez gon volonté manifeste que m'a là avec Anassé cap bien 2 ans en novembre et m'a demandé nous pour nous être capable même gens nous faire avec moi, mandé directeur général Anassé en interview sur l'état des lieux. Pour le dire exactement qui côté lié dans la réforme énergétique, la réforme secteur électricité qu'a fait en 9 pays. On peut, président, considérer qu'à Sogener, par exemple, Sogener a annoncé à partir de 28 octobre, ce lundi, il y aura pas en rupture, il n'y a pas en mesure pour continuer par le courant électrique, parce que il n'y a pas un cop dans le main, l'État n'a pas payé. Qui je ne vois faire pour ne pas lier à la situation ça? Est-ce que un palliatif que nous prévoit et que nous pas gagnons un rationnement de courant qui est beaucoup plus drastique que j'en liais, que j'en ai déjà. Une décision politique qui prend, Wendel, qui pour dit que pour intérêt l'État, nous protéger. Mais pendant la décision politique, en fait, même en temps de guerre, là pour faire mon guerre comme on fait même, c'est sur une table de négociation. D'accord? Ça veut dire, décision à prendre, contrat à couper. Ça, je veux pour tout le monde garder la clé. Pas de contrat encore entre l'État haïtien et moun qui produit l'électricité dans le pays. Je veux ça, je veux le clair dans la tête de chaque haïtien. Pas de contrat encore, pas de faire payer moun 12 millions de dollars par mois encore. Ça a fini. Li fini. Je veux le clair dans la tête de tout le monde. Et moun qui gagne contrat ça, yo, et peuple la captain de m'la parce que c'est lui qui m'a défendu, contrat ça, yo, yo fini. Maintenant, l'heure finie, forme tout le monde sur une table pour qu'on ait comment ok processus de résiliation pour le faire. Ça veut dire, ce n'est pas Sogener, vous parlez de cas Sogener là, Sogener c'est un cas spécial. L'usine de Sogener, c'est l'usine de Vare. Cette usine appartient à l'État haïtien. C'est pour tout le monde clair sur ça pour qu'on ait. Parce que je dis, pas de bien caché l'ombre. Tu dis, la jeune lié. Usine, c'est pour l'État lié. Bon, il y a des fêtes, dans un contrat, des fêtes là. Ils font un contrat de service pour 5 ans. Sous tête contrat de service, ça, ils font avenant 14 ans. En 2008. Avenant 14 ans, ça, pour finir en 2023. Moi-même, c'est pas job, moi. C'est job, moun qui fait droit. Doit administrative, moun ki gros savé, ou même yon pas le travail sur ça pour qu'on ait comment que un moun te capable de bailler yon avenant sous un contrat 5 ans ou bah un avenant 14 ans. Moi pas fin fort dans ça. C'est pas domaine pas. Mais gros moun qui fait droit dans la loi, dans l'État qui moun ki connaît tout, yon pas le chita pour discuter et Sogener pas le discuter avec yon pour qu'on ait comment gros yon ça fait. Parce que yon avenant, il représentait 30% de yon contrat. Ça veut dire, pour cas central Vare, ou parler de Sogener dit gaz a fini et le 28, ma clé pour m'jou, l'État, c'est lui-même jusqu'à présent qui est autorisé, les moun a commandé gaz, qui est autorisé pour commander gaz. Moi, qu'on est EDH avec le ministère des Finances, je parle de travail pour qu'on ait comment pour yon capable de fournir. Et opérateur, parce qu'aujourd'hui, Sogener est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogener n'est pas le propriétaire de la centrale de Vare. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que mandé document sous lit. Il n'y a pas jamais capable de mettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vare pas la donne. Il a fait minoterie d'Haïti, que l'État a 30% là-dedans, jusqu'on y a, parce que c'est la loi. L'État n'a pas vendu l'usine à 100%.
entreprise a dit à 100%. Ciment d'Haïti, l'État haïtien a un pourcentage là-dedans. Téléco, que l'État haïtien a un NATCOM, il y a 40% là-dedans jusqu'à présent. Mais pour la centrale de Varou, les centrales de Varou, parce que Fonclair, c'est mon seul central. Non, Varou. Il y a Varou 1, il y a Varou 2. Mais on connaît que Guinou en Varou 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en une usine. Maintenant, reste qui j'en sa pral fait entre, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et ce génère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. Je finis déjà, mission PAM. Non. Et ça? Contrario, yo coupé. De yon abonné, comprendre ou encore interpréter mesure ça, monsieur le président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui pas jamais besoin de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a été voté pour une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça non. Contre eux, je coupe. Est-ce qu'on va prendre une décision ça trop tard, monsieur le président? Gemoun Kap dit que vous vous êtes mis aux côtés du peuple haïtien trop tard, pendant que vous acculez, pendant que un pile secteur a demandé pour quitter le pouvoir là. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si le peuple a été bon pouvoir, il va le demander. Mais il n'y a pas tout comme chef d'État, je ne vais pas faire. Est-ce qu'on va avec qui assurance, je dis que je me dis. Moi, couper contre. Mais c'est pour lui me couper contre. Qui s'amie? Je suis un élu du peuple. Je suis là pour servir le peuple. Moi, je viens là, c'est ça, je viens faire, je viens servir. Ça veut dire si. Moi, ouais, c'est pas contre ça seulement, non? C'est justement la question de la poser, monsieur le président. Il y a quelqu'un qui dit que nous parlons de compagnie qui a vendu courant à l'État. Est-ce que nous devons attendre à d'autres mesures dans le même sens-là? Parce que. En pile détournement, corruption, gagote, qui a fait dans plusieurs autres entreprises, en fait, dans des entreprises de l'État même, c'est-à-dire de rationalité, est-ce que on va penser à prendre des décisions dans ce sens-là tout? Bon, je réponds à une question simple. Tu as un contrat pour surveillance frontière, pas vrai? Qui vous fait par année, et puis vous l'État te baille 0,07% sur recette douanière totale là. Sont des gens qui pourraient permettre que nous, à récupérer quoi qu'on a perdu sous frontière là. Les mois après 2 ans, nous décidons tout, nous disons contre ça, nous coupons. Et nous commençons ce travail, c'est pas comme ça nous disons nous couper les vignes. Nous commençons ce travail pour réforme faite dans le pays. Parce que, comment pouvez-vous comprendre que douane en Haïti, système informatique n'est pas connecté avec. Par exemple, pas un portail pour entre douane dominicaine et douane Haïti. Quand il dit tout pays qui a une importation à Haïti, pas un portail côté pour communication faite en temps réel. Mais on connaît que nous avons signé un accord tout avec la douane dominicaine. Un accord qui signe, qui pour permettre pour nous mettre le système par nous hein, en état parce que nous avons un problème. Système qui informatique qui gère douane nous, hein, l'idée jouette. Ça veut dire fort. Nous font un upgrade sur lui qui peut permettre que je dis un système là, nous capables de lier avec, par exemple, une douane dominicaine comme exemple, mais il y a l'autre, parce que pas lié Haïti est membre de l'Union douanière internationale. Et dit nous-mêmes, quelle que soit douane qui sous la terre, on est ça tout. C'est des bagages qui ne peuvent pas le faire mon bien. Parce que là, on connecte à ton système, nest lâche ton produit, par exemple, pour 20 gouttes. Les papas déclarent le 10 gouttes. La mobilité, c'est 20 gouttes là, l'écouter, parce que la douane en Haïti a connaît depuis côté l'acheter là. C'est des réformes qui difficiles, mais pas impossibles. Et c'est ça que fait, là, nous, comme première réforme qu'a fait, tu vois, c'est la donne. Parce que la création de la NACE, avec. C'est les mêmes qui ont vu. Parce que, un bon exemple. Pour nous mettre. 565 mégawatts, c'est ça moi que besoin pays à tout entier, c'est ça mon rapport qui dit qu'il faut payer en lui-même.
Nous avons besoin de $2,400,000 par mégawatt, ça veut dire pour installation. Et nous avons parlé de systèmes hybrides, gaz naturel, solaire. Pour tout le pays. Hein? Là, nous faisons calcul là, son bar cap venir $1,356,000,000 pour tout le pays. Plus qu'on y a, on peut parler de réseau métropolitain hein, et réseau petite commune que nous avons en bon. On l'autre près $150,000,000. On a parlé d'environ $1,500,000,000. Alors pour trois contrats, ça, là, au final, on a comme l'État haïtien, l'État côté l'État haïtien, $2 milliards et quelques dollars. Parce qu'il y a une partie de gaz là que nous pouvons calculer. Mais en fait, c'est là, pire que $2 milliards. Mais là, des films privés financés comme ça, et puis l'État a arrêté, le pays a arrêté dans le même fait noir. Maintenant, c'est pour ça. Nous chita sous réforme ANACEA qui lui même permettent nous capables d'aller de l'avant, qui permettent nous faire réforme ça dans le secteur énergie, qui dit nous que contrats, ce sont des contrats léonins. Nous voulons pour tout le monde encore. Ça clair dans la tête, pas de aucune usine privée, aucune entreprise privée que l'État nationalisé. Alors, nous avons estimé, en fait, c'est pas que n'a pas prendre parole non mais il y a des questions. Il y a des monde qui pensait que ou retirer contrat non mais la main une série de monde pour tirer de l'autre côté, ça veut dire qu'on voulait protéger une catégorie qui on pas voulait protéger parce que gagne était dans la campagne nous et dans Jovenel Moïse. Bon son, en tout cas sont très bonnes questions. Peuple là la regarder depuis fait chercher m'a chercher femme connaît qui contrat que connaît qui pas respecter intérêt de l'État, il y a pour dans semaine là a bien bonne nouvelle. On parle de franchise, Yokounia, Monsieur le Président, et gagne suppression de franchise, m'a dit total, suivant notre secrétaire d'État, la communication a été voyée sous réseau, WhatsApp particulièrement. Et des monde qui estimait que suppression de franchise, yo, sont attaques en règle frontale à l'Église catholique jodien, qui m'a dit pour aller. Donc, ou supprimer franchise, yo, pour qu'elle réponde à l'Église catholique qui a demandé pour quitter le pouvoir. Non? Moi, fait classe, moi, depuis même autour du Nord, Kaifoué. Je suis un homme d'Église. C'est-à-dire, et relation avec plusieurs hauts placés dans l'Église. Comment faut nous payer, c'est au final, ici. Antagoniser deux monde, antagoniser deux institutions. Et puis, comment pour faire l'État, parce qu'il faut ça, c'est pas parler de relations personnelles. Maintenant, on a une relation institutionnel, formel, entre l'État nous en 1860. Ça veut dire, c'est normal, aujourd'hui, comme président, même pour nous que nous gagnons une reconnaissance historique envers le Vatican. Parce que c'est le premier État au monde qui a antagonisé le président avec l'Église pour dire que moi-même, j'ai un problème personnel avec l'Église. Nous pas, comment pour nous arrêter pour dire que moi, m'en découper franchise l'Église. Ça n'existe pas. Nous pas, d'ailleurs, par contre, est-ce que nous lis? Ça n'existe pas. Moi, pour nous comprendre l'affaire franchise là bien, pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire sortir qu'a fait là dans le pays. Secteur mafieux, ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non? Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien. Des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui considèrent comme un secteur des rapaces qui, là, pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour le pays toujours en turbulence, eux-mêmes pour faire comme eux. Tout en mafia, et d'ailleurs, on me dit, là, nous, résolution en prend. Là, il y a l'autre nouvelle, nous, nous attendons dans les jours à venir. Qui secteur la prière concernée? Ah, il y a un pile, même, d'un beau gars. Ça y est, bon, nous, ça y est, l'essentiel, nous-mêmes, c'est, machine n'a pas pris le temps pour le déraper. Les questions que vous avez posées maintenant, m'a profité du peuple là, machine n'a pas le temps, dis-moi 2 ans, 8 mois. Mais je dis à me déraper, machine n'a pas campé. Les pas campé sous, parce que s'ils sont, j'aime te dire, le 4 septembre 2017, on a parlé de 5 problèmes de pays. Je dis à moi, ouais, toute qualité, ça capte. Mais nous-mêmes, ça qui intéresse, nous,
séparer pour nous faire des saupoudrages, il faut aller directement pour nous défendre l'intérêt peuple, l'intérêt pays. On prend un produit, n'a pas franchi ça, que ou gagne un produit fermé, qu'on gagne par exemple 5 personnes qui commandent. Qui va m'aider par bateau. M'brassier, par exemple. Qui importe. Qui importe. Moi, je vais faire une enquête. Là, je regarde le résultat de l'enquête. Mais une enquête de terrain. Elle prend prix, tonne d'acier par. Mon abonne, on tonne d'acier avec différents $50 par rapport à l'autre. Et tout, on achète même côté. Et c'est là, ça, nous commençons. Nous faisons une enquête. Ça me dit, il y a peut-être un an et demi. Pour nous regarder, pour qui ça, ça, comme ça. Là, nous regardons, nous avons des importateurs. Là, ils ont importé pour des gens qui ont une franchise. Et puis, faire ça qui commande en franchise, nous perdons la route. Ça veut dire que nous pas arrivé à joindre traçabilité. Traçabilité. Ça veut dire que c'est faire ça qui a une concurrence déloyale avec l'autre monde qui ont même respecté la loi, payé taxe normalement. Fait ça, c'est lui-même, et à cause de qui ça? À cause de franchise, que yon moun gen. C'est attaque n'a pas fait contre un groupe par rapport à l'autre. Non, au contraire. Moi-même, moi dis lui, pour bien faire que l'église fait pour le pays, ça, je parle de l'église catholique, éducation, matière de moralité, tout ça que l'église fait. Comment je dis pour moi-même comme président, et puis si ça m'a arrêté, me dit pour m'avoir entré, non, bras de fer, qui pas parle mener pays en quel côté d'ailleurs, pour me dire, non, ça ne va pas mener nous. Nous, c'est ce qui m'a prêché depuis jour 1. Nous pas antagoniser pays. Pays a pas divisé, les déchirer. Quand nous arrivons dans une situation, c'est coup de boule, coup de boule. Je ne vais pas arrêter pour m'antagoniser. Mais pour faire franchise ça, depuis on est que tu es. Ou tu es une franchise dans mon. Que le ministère des Finances te baou. C'est raquette ou ta favelle. Nous coupons. Quel que soit mon nom. Dans quel que soit secteur que lui. Dans quel que soit institution ou bien pouvoir que lui. Quel n'a pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Quel que soit institution que lui. Depuis qu'on franchise. C'est raquette ou ta favelle. Pour faire prix marchandise. Ou mettre déséquilibre là-dedans. Nous couper, il va exister encore. Et Mounsa ou t'approche ou? En tout cas, c'est. Ou, bah, moi, réponds-nous ça. Un président qui se respecte ne peut pas avoir d'âme. Un président qui se respecte ne doit pas avoir d'âme. Zami Mjodia, c'est le peuple. C'est l'équipe bon pouvoir. Ça, ma poum, m'boli, qu'on y a pour m'djou, l'on dit que de la douane, c'est pour moun. Directeur Sam Metea là, ma bo, une anecdote sous lui. Je parle pas de la partie des Nations Unies. Je vais aller monsieur pour comprendre la douane. Monsieur Sita, je fais 2 heures de temps à parler. Je vais prendre note. Je parle de la Nations Unies, c'est en septembre 2018. Seuls gens pour nous sauver la douane en Haïti sont les réformes que vous faites là-dedans. Parce que monsieur dit que ça, je vais prendre 2 heures de temps à prendre note, que je vais aller à la grave en pile. Je vais comprendre ça, monsieur le dit. Avant de partir, je vais aller. Ministre de tutelle la douane, m'rele secrétaire général conseil des ministres, nous faisons arrêter, moi nommé monsieur pendant ma, j'avais dit me signer et puis m'aller. Monsieur pas même connaît si c'est le directeur la douane. Pourquoi doit te faire interview avec elle, s'il veut bonne vérité. C'est le, il aurait les monsieur pour installer. Monsieur m'a dit, c'est mon directeur, je pas connaît si c'est le directeur. Je suis pour contre moi, je cherche qui est-ce qui compte douane. Parce que c'est justement dans ce que je dis, pour aller au monde pour mettre le directeur, c'est mon nom. Ça a été un choix du président de la République. Je fais, et je dis à monsieur, forme de lire, forme n'a pas fait. Très timide, hein, sans que monsieur pas fait bruit. Monsieur collaborer avec l'entité que nous mettons cap travail pour faire réforme globale, gros réforme que nous avons besoin de faire. Parce que c'est pas frontière seulement. Douane n'a un problème de tous côtés. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est pour une structure. Et c'est ça qu'a fait la mounia. Songe pour mettre un système qui est bien établi, qui pour faire que le conteneur vini, c'est pas de vérification physique qu'oblige de faire le passer dans un scanner pour qu'on tout ça dans le conteneur. Toute réforme pour nous faire, qui pour permettre pour Douane vini performant,
Napfel. Monsieur le Président, vous présentez plus d'une fois le peuple haïtien comme zami ou pas zami. Sous les zami, c'est le peuple haïtien et ou d'où aux côtés du peuple haïtien. Mis à part drapeau yokla, qui c'est symbole l'État, ou même tout symboliser l'État, peuple là, li gagne l'État comme zami, alors que, petit li pa ka l'école jodia, l'a fait face à insécurité, li pa ka manger. Est-ce que vous va reconnaître Jovenel Moïse, vous-même, lorsque vous vous regardez dans une glace, comme un très mauvais ami du peuple? M'abdouli, comme chef d'État, m'abdouli m'assumer pour réformer, pour commencer aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a commencé à faire là. Pour que, sans ce dîme, Timoun Sayo, qui finit l'école, que le ministère commerce font concours pour lui, il y a 3000 dossiers qui inscrits, avait dit 3000 plans d'affaires, et jurés qui n'ont pas n'importe qui, qui ont des gens corrects là-dedans, choisi 150 pour être prêté. Entre 250 000 goudes à 2 millions goudes, moi-même, je suis allé dans le triomphe le 10 octobre 2018. Je fais un bel discours en pensant que le système financier pour le prêter au COB. Jodi, je prends une décision pour que, en dans l'ONA, il y ait un monde, ça veut dire presque 75% COB prêt et placement l'ONA. 75% n'a même moins que 25 moun à l'institution. Reste 25% n'a même pas 40 000 moun. Je prends décision. Je dis pour me dire que intérêt qui est à 3%, fort l'ONA à travers ce qui les banques centrales ajuste à 20%. 17%, c'est pas nous pas cibler personne. C'est pas prendre pour me dire. Dans ça pas ça. Nous avons évalué la presque environ, disons, plus de 800 millions de gouttes. Si moun sa yo, à partir de semaine prochaine, prend décision pour que même l'ONA sa, qui prête 75% COB li ak placement, by 25 moun ak institution, 150 si moun sa yo faut jouer l'argent. Programme que peut-être nous connaît que les papèges, qui te gen 150 plans d'affaires, le moment de rapport, m'en compte que rapport ça, c'est 8 moun seulement qui ont bail crédit là-dedans. Il y a 142 qui ont bail jeune comme. C'est pour ça, l'on parle de misère, peuple, de privation, de insécurité que la vie là. Un système pesé sous CA, je dis à comme chef d'État, je engagement, jamais te prendre devant la campagne électorale là, je commence. Et bien, je excusez moi encore devant. Pour me dire que je prends temps, c'est le souverain. Peuple là, c'est le maître pouvoir. Pouvoir, non, même non, pas qu'un bel, pour tout le temps. Et pour Lili, c'est là qu'elle arrive pour me remettre le pouvoir. C'est remettre le pouvoir, le peuple haïtien. Mais, je dis à position quand elle mette maintenant là tout, pas de personne qui prend pour faire manipulation dans la tête, pour faire comprendre que moi, elle t'ai choisi, qui saute dans un trail, je viens contre lui, je dis. C'est pour me dire que je dis, décision, ça m'a pris pas de parler. Je dis, on prend décision pour me dire tout ça m'a fait. Par exemple, Papa Jean, à partir de semaine prochaine, nous commençons à travailler avec les mêmes ressources que nous avons pour nous venir en aide à la population. Où est que y a des cuisines mobiles, malheureusement, dans le mouvement, ça qui fait là, et Gampil, cuisine, Fayès, que des individus mal intentionnés, lourdement armés, t'allaient ou tirer sur eux, qui endommagent eux. Mais, en fait, nous avons continué pour nous capables de porter aide nous, by population. Mais c'est pour ça que nous demandons aide humanitaire là-dedans, qui va permettre que les gens nous commencent à faire là, parce que faut me dire, à travers la mairie ou tout, nous sautons ouvert des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qu'on y a, c'est dans la phase que le Premier ministre dit ça, et que l'app travaille pour capable commencer à faire pirouille. Nous avons créé près de 70 000 emplois temporaires sur les régions au total, et à travers délégations, à travers mairies,
Je connais que son programme que nous avons comme on a fait d'ici peut-être nous fin payer première phase ça pour nous essayer de capable mettre notre programme comme ça encore sur pied. Nous-mêmes n'a travail pour nous venir en support avec moun qui plus faible. Mais ça pas empêcher nous mandons aide et nous croit que moi j'ai une réponse que Américains répondent à l'affirmative. Ils sont prêts pour bailler coup de main. Mais on parle de logistique là qu'on y a. Là où on nous aide, sauce poisson qu'on piche que poisson. Parce que là où on aide là, son aide humanitaire qui accès sous produits alimentaires même. On t'a dit que aide là sorti et puis c'est vous qui vous payez transport aérien pour vous venir. C'est vous qui vous payez transport maritime qui vous venir. Aide là qui coûte plus cher oui. Nous-mêmes, nous n'êtes pas nous. Nous sommes clairs sur les bons dits. Logistique que demandait assassin. Mais deuxièmement, je ne sais pas si vous avez personne de dire non. Le cyclone Mathieu, les Américains ont été venus avec aide dans le cyclone Mathieu. C'est pour continuer qu'ils ont été venus. Je me pose une question. Je ne sais pas pour répondre. Pour dire, est-ce que le cyclone Mathieu, les Américains ont été venus de nous, à qui est-ce qu'ils ont été venus? Parce que aide là, les ruines baoul, c'est où les disciples? Ça veut dire comment, mais là, on finit ça, on fait. Y aller? Ça veut dire, et mon nom était ici. Président Jovenel Moïse, est-ce que vous confirmez que tu as gagné des snipers en Haïti? Bon, m'explique, qui ça a un sniper? Un sniper, c'est une formation. Dans la police nationale, il y a des snipers. Il y a des gens qui entraînent, qui permettent que leur gagne des cas. Bon, là, on n'a pas les. Non, mais attends. Gagner un groupe d'étrangers qui viennent faire une évaluation dans la sécurité présidentielle, là, qui fait tout le temps. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a seulement le fait, il fait sous président Aristide, il fait sous président Boniface, il fait sous président René Préval, il fait sous président Martelly. Est-ce que vous avez une loi pour ça? Non, mais attends, c'est formation. C'est pas. C'est sécurité, un président. Ce bail de sécurité nationale, lié. Ça veut dire concerner les plus hautes autorités de l'État. Ça veut dire à ce moment-là, ce sont ces plus hautes autorités qui ont décidé, avec moun qui est responsable de sécurité, qui leur que sécurité a besoin d'évaluer, les besoins de formation et autres. Ça veut dire c'est pas, ça veut dire moi, quatre présidents que l'ont fait sur lui déjà. Ça veut dire pour qui ça aujourd'hui, hein, ça fait son actualité. Ok, aujourd'hui on a parlé de aide alimentaire que l'État haïtien mandé à États-Unis, pesé sur États-Unis. États-Unis, opposition comme en pile moun, welcome pays qui a kembe Jovenel Moïse, le président de la République, au pouvoir. Et on dit ça que fait la kembe Jovenel Moïse au pouvoir, c'est parce que Jovenel Moïse, le président de la République, l'y trahit. Le Venezuela, que nous avons une longue histoire avec, tout à l'heure, tu as parlé de reconnaissance historique, nous décrit, l'autre a cité l'Église catholique. Le pouvoir de Jovenel Moïse trahit Venezuela au profit des Américains, donc, Américains redevables envers Jovenel Moïse, le président de la République, c'est ça que fort qu'à l'âge où il y a au pouvoir. Pour l'histoire et pour la vérité, dis-nous plus sur ça. Qui t'aime pour nous? Très simple. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Haïti, c'est un État libre et indépendant. Et souverain. Haïti fait choix qui est bon pour lui dans des moments précis dans l'histoire. Donc, est-ce que c'est un acte de trahison vis-à-vis du Venezuela? Aujourd'hui, le choix d'Haïti pour lui aux côtés des États-Unis, son choix qui s'implique. L'État haïtien n'a trahi aucune autre nation. Mais c'est clair pour tout le peuple là qui a regardé là. Bon choix que tu as fait. Et choix ça que tu as fait, c'est parce que l'un fait, nous te connaissons que c'est pour le pays, c'est pour le peuple là. Il n'y a pas rien à voir avec la personne de Jovenel Moïse. Encore moins de garanties de la part des États-Unis. Mais pourquoi? Quelle garantie que. Un président qui était quelques mois au pouvoir. Bah même ça, attendez, c'est pour nous. On président, je ne suis pas un président à vie. Bah même comprendre. On dit jamais moi tout le monde a parlé de son pouvoir mien pour me rester net comme président. C'est quelques temps où il me restait sous pouvoir malé. Ça veut dire comment je dis
N'oubliez que Haïti a vécu sous côté plus gros puissance sous la terre que les États-Unis. On sait cette hypocrisie. Pendant ce temps où l'opposition dit, on sait cette hypocrisie. Prend l'opposition, mettez-le sous pouvoir, je vous dis. Relation, premier pays, il a cherché pour améliorer la relation avec les États-Unis. Faut suspendre, faire mentir. Faut suspendre, parler en langue de bois. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est la plus grande puissance économique et militaire du monde. Ça veut dire pas qu'on paye, ou même, ou prêle comme ça, pour pas. Bon, l'homme d'aller rencontrer le président Trump. Il y a un commentaire que je me fais. Je dis, je suis entrepreneur, je suis président pays qui est pauvre dans l'hémisphère là. Et lui-même, ils sont entrepreneurs, c'est président pays qui est riche là. Comment on fait? Parce que compréhension PAM de développement, pas même avec des politiciens traditionnels. Comment on fait pour deux pays ça, pour avoir un investissement direct étranger qui fait sur eux? Mais c'est pour ça, rapidement, on a fait au pic Vini ici tout. Au pic Vini, à partir du 1er octobre, c'est 31 milliards de dollars en plus qui est au pic. Investissement privé étranger. T'as pas réussi pour faire dans le pays, mais maintenant, quand on a une situation de turbulence politique, comment on peut le faire, comment on peut le investissement en direct dans le pays? Mais là, monsieur le président, est-ce que par une incohérence, l'on choisit Taïwan plutôt que la Grande Chine? Ou choisit États-Unis au détriment du Venezuela, alors que choisit Taïwan ou pas choisit la Chine? Ça, sont l'autre belle question encore. L'on dit que Jovenel Moïse choisit Taïwan. C'est un président qui a gagné 2 ans et 8 mois. La relation diplomatique entre Taïwan et Haïti est datée de dizaines d'années. Ce n'est pas aujourd'hui. Non, mais on va réformer. N'oubliez pas que vous réformez. Ah ben, la réforme que je fais, moi, c'est ça qui est palpable, qui est réel, moi, qui est concret. Depuis que je parle concret, moi-même, je me dis clairement, l'homme rentre comme président. Taïwan, la relation avec Haïti, c'est 10 millions de dollars, oui, c'est qu'on ne parle pas. Eh bien, ou qu'on nous connaît quoi, relation, déjà, nous, par exemple, les sentiments, si, mène politique, mais haïtien ou taïwanais, oui, gros sentiments, si, dans la Tibonite, qui inaugure déjà, qui a produit 12 000 tonnes de semences, gagnon, dans le département nord-est, dans plein Maribao, qui parle produire 5 000 tonnes de semences, gagnon, dans le département sud, qui parle produire 3 000 tonnes de semences. Est-ce qu'on connaît tout? Ça veut dire, prêt électrique que me faire, qui va permettre que pour nous, pour 150 millions de dollars, pour nous développer le système électrique là. Moi-même, je parle des bails palpables, des bails qui concret, que je me système irrigation solaire, que me dit que faut nous suspendre bouler gaz parce qu'on a boulé 10 millions de dollars de diesel par année dans l'irrigation et paysans n'ont pas jamais moyen pour payer gaz ça. Je dis, on me dit, je vais transformer tout système diesel ça en solaire. Mais son à quoi que nous faisons Taïwan, il est même dans don que la banque, c'est pas prêt. Pour le transformer, pour nous transformer, que nous commençons sous 17 systèmes, que nous voulons continuer pour nous aller sur des centaines de systèmes. Ça veut dire, je dis, on va parler de qui est concret. Mais lors dit que son choix, ça veut dire une réforme que m'a fait, est-ce que me fait choix de pour qui ça que me fait choix de Taïwan par rapport à la Grande Chine? Moi-même, je dis ça, je suis un réaliste. M'a gardé pour moi qui ça que je dis à mien en même parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire, c'est ce deal que l'État n'y a pas mis intérêt, mais un tien que mien en relation avec ta relation est dynamique, n'est pas statique. Président, et je pense qu'au temps des dernières déclarations, les États-Unis fait par rapport à la crise là en Haïti, ils ont parlé de nécessité pour gagner un gouvernement parce que il y a des bagailles où M. Beau voulait annoncer ou du pouvoir le faire, ou pas le concrétiser ou pas capable sans parlement. Et à moins qu'on ait décidé aujourd'hui à convoquer la Chambre des députés à l'extraordinaire pour mettre un gouvernement, tout le monde connaît que ou censé bloquer avec les deux champs qui ne sont pas opérationnels apparemment. Maintenant, qu'ils sont en train de faire, Américains ont tout fait bon gouvernement et nous entendons récemment le ministre qui nous a dit que... Je m'a dit que dans la conjoncture politique que nous avons, pas de 50 000 gouttes, mais son coup de poing à vous là, pour le... Je m'en dis toujours, je me dis, monsieur, quels sont vos intérêts? Il dit moi que il y a 170 000 clients dans la microfinance en Haïti, et mon paye très bien à 5% par mois. Parmi eux même, il y a 16 000 clients dans la Tibonite qui prêtent à 5% par mois, disons 60% par année, et ils payent très bien.
c'est pas pour mon bagage si mine avec un crédit à 12% bah bah forme du tout que la réforme m'a fait yo peuple là n'a travail aujourd'hui pour grand exacte vinn nan palais pour pas jamais pour dire comment qui a commencé à prêter 25 000 gouttes par monde, par 1% par mois, avec une dérapé, même avant, nous mettons sous pied l'institution, parce que nous avons besoin de bon, que nous avons besoin de source de financement pour lui. Ça veut dire qu'il peut permettre que, dans la réforme, ça veut dire qu'il n'a pas l'air, réforme secteur créé et financement, parce que, ou pas qu'après un crédit, pour dire son groupe monde qui a prêté dans le pays, ça veut dire. Comment vous prenez crédit, ça veut dire masse peuple là, ou mettez le dehors. Ça veut dire, ou pas mettre aucun mécanisme pour lui-même, pour le caprêter. Sous même ça, ma retourne sur le gouvernement, sous même ça, pour m'expliquer, pour m'expliquer une anecdote, on va quitter passer il a vache. Moi, descendre il a vache, là, ça nous a pas fait route, là, ça fait un an, route qui sortit dans l'aéroport pour arriver, pour traverser toute l'île, là. Pendant ma passe, mon dame Chita, très modeste, mais on voit son monde qui est en misère. Qui devant yon un petit bac, et puis c'est son mari n'a pas fait. C'est le grand mari, mais un petit bac tout petit. Et puis, je me dis, monsieur, Kampé, je me dis, madame, je me balo. Et puis, l'homme, je me dis, c'est pas président. Et puis, je me sens que c'est un coup qui a tremblé dans même. Je me dis, oui, c'est. Je me dis, oh, petit, moi, je me content. Et puis, moi, je prends 25 000 gouttes dans la valise. Alors, je me dis que pour. Mon yo capitaine de m'la pour comprendre, parce que je ne peux pas comprendre si 25 000 gouttes ont toute importance pour yon moun qui a fait petit business. Et puis, je m'a dit 25 000 gouttes. 15 jours après, je me tourne dans visite de chantier avec le ministère de la République. Je suis passé dans la même zone, dans la même dame Chita, qui avec un bel rad sous lui, bien propre, cheveux bien fait, et puis il y a un gros bac devant lui. Et puis, avec une sécurité, je me dis, monsieur, c'est pas dame ça. Je me dis, bah, 25 000 gouttes, je dis, moi, je suis président, c'est lui, je me dis, campez-moi. Et puis, quand je descends, je mange de bain dans le bac là. Je dis, président, 25 000 gouttes là, mettez 15 000 gouttes dans le commerce là. Je suis un petit maintenant qui est dans l'université pour au point, je m'envoie 5 000 gouttes pour lui, pour lui, quand je vais aller, je vais régler, je me serre 5 000 gouttes. Et mon sol, je me paye 1000 gouttes chaque jour. Ça veut dire, mais 25 000 gouttes, il y a un monde qui était, peut-être ça le tape faire. Écoutez, je connais 500 gouttes, ça le tape faire. Ça veut dire, là, je dis, ou pour un côté de l'eau, par exemple, il y a 25 mounes avec institution qui prêtaient, par exemple, 6 milliards de gouttes, mais presque 8 milliards de gouttes là-dedans. Bon, en placement, je ne sais pas combien, vous voyez, mais en fait, on dit 6 milliards de gouttes. Il y a un seul. Bah, ou t'as dit qu'on prend 2 milliards gouttes dans l'agence pour dire pour moun sa yo, pour chercher yo même ba yo, ti crédit sa, et yo paye. C'est ça, en pile moun pas ta comprendre. Moun sa yo paye. Moun qui prête 25 000 gouttes sa yo paye. Et puis, 2 milliards gouttes sa, c'est 96 000 moun kon sa yo que le kabay crédit. Et nan même moun sa yo balé ya, il y a des moun pour contribuer 2 milliards. Ça veut dire pour nous retourner sur gouvernement. Pour me dire que gouvernement sa, d'Union nationale là, moi, je pense que, effroyable qui est dans l'opposition, parce que, il y a pile de monde qui veut catégoriser l'opposition radicale, l'opposition modérée. Moi-même, je crois que aujourd'hui, nous avons une opposition politique. Moi-même, tout le monde dit parfois. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons une opposition. C'est pour nous être capable, c'est ce travail sur nous qui a fait. Il y a des travaux qui a fait, qui permettent que, il y a des propositions d'accord, des drafts d'accord, que nous avons mis ensemble. Il y a des gens qui disent, fois président, font départ ordonné immédiat. Bon, je ne sais pas comprendre comment départ ordonné et puis pour l'immédiat. Il y a des gens qui disent, son départ ordonné. Il y a des gens qui disent, c'est élection anticipée. Il y a des gens qui disent, c'est élection apaisée. Ça m'a dit, c'est dans des textes que moi. Je dis, c'est pour tout le monde, nous venons mettre toute base ensemble, pour nous dire que, mais qui ça nous voulait pour le futur pays, parce que, moi, je le dis chaque jour, moi, là, côté de Chita, moi, je voulais que ce sera la dernière transition. C'est-à-dire, pas de transition encore après le gouvernement, ça, clair, pour nous connaître, pour petit haïtien, pour haïtien, pareil, ça, qu'a pas les créoles, là, nous arriver, nous mettre tête, nous ensemble, nous mettons un gouvernement d'union nationale, qui va l'adresser vrai problème, avec un feuille de route clair, je ne dis,
pour réforme yo fait. En d'autres termes, président Jovenel Moïse, vous avez dit qu'on parle même mandat là pour mettre dans sous table de discussion. Qu'est-ce que ça chaque journaliste vous aime moi pour nous même. Est-ce qu'on suit Wendel comme président qui approche à un mandat présidentiel? Nous sommes monde qui vient font réforme dans le pays. Ça dit pas attendez. Le monde campé ou à l'offre mon non, est-ce que on a professeur les Nisgep, l'offre mon Nisgep. Le Allemagne des intérêts des monde qui tape chaque mois crive si l'état pas capable BHP ou dit ça pas capable faire comme ça. Ou le président ça c'est un mandat qu'il a accouché, pas accouché à des réformes. M'vle gon l'autre pays que moi dans 25 30 ans qu'a venir que m'té participer là-dedans aujourd'hui et seul j'aime qu'a participer là-dedans c'est le moi participer dans réforme yo. Alors quand pays militaire me dit m'pas besoin c'est moi qui mettre réforme yo. Non. Gouvernement qui vient, il doit se dire, il doit y avoir une meilleure tête qui vient là-dedans. C'est eux-mêmes qui fait tout mouvement de réforme, ça que moi-même bonheur, vision ça que moi. Mais monsieur, excusez Wendel, est-ce qu'on parle d'une espèce de bovarisme, d'idéalisme? Parce que la rue, il a dit que il n'a pas voulu le président de la République, Jovenel Moïse, alors qu'il n'a pas annoncé des réformes pour le peuple. Je dis à là, il est un fait que aucun secteur pavlé chita avoir. Les secteurs les plus représentatifs, pour me corriger ça me dire, les secteurs les plus représentatifs, yo pavlé chita avoir. N'a pas par exemple Evans Paul, qui a toujours été l'allié du pouvoir, réputé proche du pouvoir, il va jamais cacher. Je dis à où font commission, mettez la donne, liquidez-le. On a l'impression que le président est seul. Bon, ça plus qu'une impression. Ça frôle l'évidence que Jovenel Moïse est un homme seul. Je veux dire, comment on pourrait le faire, mettons, gouvernement d'union nationale en place, alors que personne ne va le chiter avant? Bah, répondre, pas fin question, non. Un président est toujours seul. C'est le poste le plus solitaire qui existe sur la terre. Mm-hmm. Parce qu'il y a des décisions, le pourpoint, c'est pour contre. Elle dit un président est toujours seul. Oui. Mais ça, c'est bon. Qu'en est-il du peuple? Définitivement, c'est l'ambal. L'homme du son, c'est le poste le plus solitaire sur la terre. Pour qui ça? C'est parce que il y a des décisions pour prendre. Ou qu'on, définitivement, l'on fait choix, ces décisions sont à prendre, et pour être tout environnement. Comme si on sort de frisson. Oui, ça veut dire maintenant, pour me répondre à Alain, pour me finir, Wendel, avec ce point ça. Secteur dans la vie nationale, je vous dis, ou dit le secteur représentatif, qui vous même dit, il n'y a pas décidé de chita avec le président. Mon d'accord, c'est vous parlez où, vous parlez de secteur. Secteur ça, il est toujours là. Il y a toujours là. Il était là déjà. Mais à côté de secteur ça, il y a en fait le peuple haïtien. À côté du secteur. Peuple haïtien, lui-même, nous avons une élection, ça a été 2 ans et 8 mois. Il était voté. Voté, il était voté, il était voté. Et nous avons une bataille en dedans pour nous joindre, nous avons besoin, parce que si vous ne jouez pas de documentation qu'on a besoin pour réformer, vous ne pouvez pas commencer. Je dis à me penser que, ou dit, c'est une forme de bovarisme. Non. L'homme a parlé avec peuple là, parce que Georges c'est l'acte de mon pouvoir, parce que je m'oblige pas là avec lui. Secteur qu'on dit qui représentatif là, tout le monde n'y a intérêt pas. Mais moi-même, quand je me suis à la journée, hein, moi j'ai intérêt à un seul monde qui n'a même pas les peuples haïtiens qui dévotent. Elle dit maintenant, secteur ça, je ne peux jamais suspendre le même bagage là. En nous entrer dans un compromis, en nous entrer dans un chita tendé qui va permettre de nous retirer pays à nos alliés. Moi, je vais m'accentuer sur l'affaire président Jovenel qui seul. Je réponds que le président, nous ça, le poste est solitaire, mais le président Jovenel Moïse n'est pas seul. Si le président Jovenel Moïse était seul, Georges, ou pensez que ça fait 16 mois que ma proposition me dégale à toujours?
le samedi. Nous entendons. C'est 16 mois ou rien. Depuis l'opposition, nous c'était pour nous match boxe. Nous étions sur nos batailles, nos cow-boys. C'est pas un cas là toujours. C'est que je dis, je dis opposition, lutte ça, il n'y a pas quelqu'un de côté, il y a mené nous. C'est des luttes à mort. Les mêmes c'est lutte ça l'a fait. Ça veut dire, l'homme levé par exemple, on y a mis de mal. Qui soit pas le gain? Les mêmes causes pour les mêmes faits. Les gens qui ont dû aller de dire, le premier ça, oui, je en fait, ma coûte pas la donne. Eh bien, il fait 10 ans pour diriger le pays. Le président a réussi pour un coup d'État. Il fait 5 mois. Ak même ma coûte qui pat la donne. En 2004, même scénario a produit. Nous voyons le président Aristide aller, la valas pas la donne. Nous fait 2 ans, nous avons goumé en 2006, la valas a tourné même gens sur nous. Sur l'autre forme. Parce que pas oublier, mon qui était président en 2006, ça, c'est lui qui était premier ministre, président. Vous comptez ça? Oui, c'était le dauphin du président Aristide, son premier ministre et autres. Ça veut dire, la même cause produit la même chose. Si je dis qu'on y a comment moins pour Mouchita, pour me comme président, pour me dire, frère Maxime, ça, qui est au même position, ou bien qui est institution pour dire, pour me pas capable de dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, côté de le pays là, c'est pas là pour aller, on vient son côté tout le monde. Parce que là qu'on y a campé, ou un seul problème, ou besoin de vous voyez, Jovenel et ses fanatiques aller, so, moun sa yo, mal, ça veut dire, l'homme était, ou dit mal, il a dit bon avion mal, et moun sa yo, ça veut dire, vous pouvez comprendre comme si, volume, zam qui est dans le pays ça, ou pas le monter un gouvernement en Haïti, sans c'est pas une campagne de désarmement qu'on fait, nest sur Abdou, c'est au pouvoir, et Abdou, c'est au premier ministre. Bon problème, président. Mais ça, pour nous comprendre. Il y a un problème de confiance ou de méfiance, président Jovenel Moïse. En pile secteur, tu dis, ou pas faux confiance chaque parole, ou dis, ou pas qu'un parole, ou pas qu'un promesse. Donc, ce qui est capable de compliquer même des marches qu'on avait lancées pour mettre un gouvernement sous pied. Les 2 ans, 8 mois de ma présidence, c'est la plus grande manipulation de toute l'histoire de ce pays. C'est comme ça que je me pose une question. Ça. Président. Parce que si, ou avez besoin de monde qui connaît la personne de Jovenel Moïse, Yabdou, c'est la manipulation pure et simple. Quand quelqu'un est venu auprès de moi pour me parler de ses intérêts personnels, il a toujours dit que je ne respecte pas moi, que je ne vais menti. Mais s'il vient de parler de mon intérêt pays, intérêt peuple haïtien, il a bien compris que ce n'est pas la mienne. Je dis, nous voulons un gouvernement d'union nationale. C'est lui. C'est lui tout le monde. Mais comment que le cas monte? Pendant ce temps-là, il y a des non-dits qui refusaient de dire. On en dit par exemple, est-ce qu'au niveau de l'opposition, il y a en fait une entente autour de l'opposition de Yon et premier ministre, par exemple. Est-ce qu'il y a un... Maintenant, je suis la bête noire. Parce que c'est parce que j'ai le pouvoir entre mes mains. Mais si je dis, il faut nous suspendre parler dans la langue de bois. Il faut nous dire peuple à la vérité. Je dis à président Jovenel Moïse, depuis premier ministre en finale, tu as accepté pour mettre un premier ministre. Là, il m'a dit, pourquoi j'aime dans le choix du premier ministre? C'est parce que je devais un premier ministre qui sortit dans l'opposition. Maintenant, le premier ministre est allé pour l'histoire, pour la vérité. C'est un accord politique que nous avons presque joué. Mais pour qui ça, accord politique, n'a pas signé? C'est parce que dans l'accord politique, nous avons un article qui t'a mis comme président en porte-à-faux avec le Parlement. C'est pour ça que nous avons signé. Alors maintenant, c'est le président qui m'a menti. C'est le président qui va respecter le progrès. Parce qu'on parle moins qu'il l'a. Et puis maintenant, vous venez mettre en porte-à-faux avec lui. Ça veut dire, c'est clair. Où est la solution à chercher? Monsieur, vous êtes des journalistes. Vous avez plus que, vous dites, dans la métropole, plus que 25 ans, près de 8 ans dans la métropole. Ça veut dire, dans la presse, là, nous avons peut-être ma parle avec des journalistes là qui ont 35 ans d'expérience. Ma dit, nous, on a qu'à nous arriver là, depuis nous fait erreur ça, nous font solution exclusive, nous fait commencer dans le problème. La solution doit être inclusive. Je vais parler de moi comme président. Solution, il faut que le Parlement la donne tout en là, oui. Il faut la donner. Solution, il faut que l'opposition politique, l'aile du de l'opposition politique la donne, oui. Solution, il faut que l'opposition modérée la donne. Solution, il faut que les partis alliés la donnent tout. Solution, il
faut la solution c'est le peuple lui même ça donne faut que tout le monde pas qu'a gien monde qu'on mette dehors dans solution des pour faire son victoire à la pirouche que n'a fait. Le système là dit que c'est pas une question de changer inclusion inclure des secteurs. C'est tout le système dans mon livre. Bon, c'est moi, c'est le premier monde qui m'a dit ça. Attends, le discours du système, qui l'a fait? C'est le 12 juin. Son discours très court, qui a duré 15 minutes. C'est le 12 juin 2019 que je fais le discours. Je fais l'occasion 24e anniversaire de police. Là. Et je dis le système, la capacité qu'il a, il a la capacité pour le faire pour retourner victime. Il y a la capacité pour le faire victime d'un bourreau. Et il y a la capacité pour régénérer la tête. Parce que chaque moment fini, il mange un monde, il mange deux mondes, et puis il campe. Et bien c'est dans ça, c'est dans ça nous sommes là qu'on y a. C'est que nous avons une phase, côté système, nan, il est fatigué. Il est fini. Ça veut dire que c'est le fini. Système nan de qui ça que système il est composé. Nous comprenons tout à coup. Un journaliste qui pose une question avant, il dit que. Eh bien, président, si le système n'est pas bon, il faut arrêter le système. Ou bien pour m'arrêter les gens qui sont dans le système. Non, ce n'est pas arrêter pour arrêter les gens. Quand un système est fatigué, il faut aller dans le fondement. Le fondement qui est allié. Premièrement, il y a ça veut dire qui ça qui m'a mal au la constitution. Le système fatigué, il faut aller dans l'habitude. Comment bagaille qu'on fait, par exemple, ou aller dans la réforme sectorielle. C'est ça, oui, le système qui est fatigué. Un système côté. Que la douane groupe moun a pesé sous ce système côté son centralisation sauvage pays a connaît côté sous chaque 100 dollars dépensé c'est presque 87 ou bien 87 dollars qui dépensé sous Port-au-Prince jodi il fatigué pour que nous rivez nos carrefour côté nous commencer ouais développement à partir de 27 750 km² d'Haïti. Si nous comprenons nous avons développement à partir de espace ça qui est le Port-au-Prince là, nous parlons de changer. C'est peut-être moun, parfois grand pile monde et Port-au-Prince qui ont dit ah président par mais Port-au-Prince. Non, je suis en train de dire la vérité. Nous ne pouvons pas construire ce pays ou bien développer ce pays à partir de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince est fatigué. Ça veut dire aujourd'hui il faut nous capables de parler de développement pays. Hein. À travers toute région. Yo. C'est pour ça que je parle de système fatigué. Il est fatigué parce qu'il faut aller dans le fondement, li, dans la loi, yo, dans la constitution, dans la réforme qui peut faire dans le secteur. Yo. Voilà de qui ça m'a parlé. Ça veut dire, il y a qui disent, oh, pour le système, il faut tout le monde qui peut aller. Nous menti, nous sommes une génération. Ça veut dire, moi-même, quand je parle là, je ne suis pas avec le bon ami qui est dans l'opposition radicale, d'après nous. Le monde qui est dans l'opposition radicale, il n'y a pas des amis qui sont dans le gouvernement. Ça veut dire c'est pour une question de monde. Ça veut dire c'est pour nous mettre au système campé, côté nous créer un tunnel, l'homme qui entre là dans nous virer pour sortir, et puis c'est pour frapper, pour être pour aller, droit. C'est ça. Président, ou assez sincère pour reconnaître que le peuple est en colère, parce que j'en dis l'autre est pris un temps pour communiquer sur des réformes, etc. Est-ce qu'on a servi à même sincérité ça pour dire non? Qui sont qu'à faire aujourd'hui pour calmer la colère du peuple là. Et parce que c'est contre la colère. Là. Encore, Mab Julie, encore, il faut pas faire erreur. C'est où dit que le peuple là en colère contre moi. Je voulais déjà que vous soyez dit, m'assumer que la réforme pour me faire, je prends le temps, mais je dis peuple encore, mais pas, il y a des données que je même, que je dis à Mab Julie, qui permettent que la réforme que je fais, là pour eux, ils mettent suivi, là pour eux, et c'est vers là pour aller. Mais, l'on dit qui ça nous a fait pour nous calmer la colère là? Je veux dire, nous avons une crise de précarité en un pays. Premier, ça pour nous faire, c'est ça nous commençons à faire là. Ça veut dire parler avec le peuple là. Deuxième, ça pour nous faire, c'est action. Yo. Action tant qu'on arrive, mettez-le en confiance. Par exemple, problème de sécurité. Moi, je dis, quelle décision qui prend? Que nous apprenons pour capable faire pour nous arriver à colmater brèche. Parce que nous avons pile. Décision qu'on prend aujourd'hui pour nous capable mettre sous pied des programmes, okay, des programmes sociaux, je dirais même ambitieux sous pied, qui permettent de faire face à la misère du peuple. Parce que le premier, ça qui est important,
que nous pas de parler, nous pas arrêter sous lui. Misère du monsieur de Yoa, gangoua du. Et moi-même, là, c'est dans manger directement, je me dis que c'est là pour nous commencer à attaquer le problème dans le vent, qui va permettre nous venir au secours de Mounio. Ça veut dire le premier ça qui est important pour nous, c'est ça. Mais est-ce que le peuple-là, il est en colère, il va avoir raison? Moi, je dis encore. Moi, excusez-moi pour me dire que je dis, la colère-là, c'est pour réformer les appels de vous. Vous commencez, mais misère à tout. Précarité, nous tous ensemble, nous avons un moment pour nous comprendre que les gens qui sont plus faibles, c'est haïtien. Oui. Mais il est trop tard, président, apparemment. Mais attends, pour qui ça, je dis, ou dit que le trop tard, pendant ce temps-là, on a fait une interview avec un président qui lui-même, qui a entrepris des réformes dans nos pays, qui a chita parlé avec une population, qui lui-même a dit opposition politique là, l'exclusion, pas dans quel côté que le ramène nous. Il n'est pas trop tard. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien, trois petits points pour avec vous rapidement, président. Et d'abord, je vous remercie encore une fois le fait que vous acceptez de répondre à la question. Nous pensons tout même tout comprendre ou réaliser le risque que ça comportait aujourd'hui. Il y a un peu de monde qui a parlé, président, vous dit que il n'y a pas l'impression que le monde qui a dirigé le pays aujourd'hui. Là. C'est comme si vous ne pas diriger rien. Parce que dehors, le monde nous fait ça, vous voulez. Deuxième problème que voulez, deuxième point que vous voulez avec vous, c'est problème recette, problème l'argent, en pile l'employé qui n'est pas touché, pas dans l'État, par contre si c'est vrai. Donc, qui ça a fait pour le monde qui, je dis, qui a des mois, nous tendez qu'il n'est pas touché. Et finalement, monsieur le président, son pays qui a crasé, en pile patron a réduit personnel ou bien fermé boutique, en pile business a crasé, je dis. C'est qui sont cadis. Bon, allons pas. Trois points. Trois points. Bien sûr. Allons pas faire un constat à la mise qui va permettre nous rejoindre sérénité nous pour nous comprendre que le une crise il y a deux mots fondamentaux là-dedans. Il y a un qui est le danger, l'autre là est l'opportunité. Maintenant c'est nous-mêmes acteurs qui connaissons. Dans deux mots qui est snapant. N'a pas un danger ou bien n'a pas une opportunité. Moi-même, je choisis l'opportunité. Son crise qui n'est pas datée d'aujourd'hui, son abcès qui est éclaté, aujourd'hui, nous-mêmes acteurs, il faut prendre la hauteur pour nous comprendre comment la gestion que nous avons fait de lui. Pays n'a pas dirigé, ou se dit, c'est ou dit, et parce que vous pensez que y a des monde, tout le monde fait ça. Oui. Encore, sous point ça, il y a pile de monde qui a fait des provocations. Et provocations, d'ailleurs, il y a des provocations faites. Il y a même fait. Il y a des secteurs comme ça, il y a des films cinéma même qui jouent. Ouais. Des gens qui ont cherché à faire des barrages et mettre sous le gouvernement. Et moi, je crois que je dis, il y a des mesures parfois, qu'au plus au niveau de l'État, que nous prenons. Mais il y a des mesures tout, au niveau, par exemple, de la chaîne pénale, parce que le commissaire du gouvernement qui est le chef de la poursuite, il y a des déclarations des mouns faits. Ou dit-il, mouns, c'est des mouns qui sont supposés poursuivre. Moi, je connais que, par exemple, un compte que nous sommes fait, nous jouons avec le commissaire gouvernement, la police, les délégations, les délégués, je m'excuse, c'est un rencontre qui peut aller dans ce sens. Ça. Comment pour nous freiner des rives ça. Parce que en matière de incitation à la violence, m'badi ba l'arrivée trop loin, non? Li quitte limite li longtemps. Parce que gen pile moun si peuple haïtien m'a dit nous ça, messieurs les journalistes, senior, si c'est pas ton peuple qui te gon maturité, il y a tant fait ensemble déjà. Mais la maturité du peuple haïtien qui permet aujourd'hui de réfléchir pour le pour qui ça intel dit que le président ça c'est lui-même qui pour aller parce que il dit
mais tel bagage, que le camp en face. Je dis à ma dîme. Entreprise a fait compression. Moi, ouais. Des employés qui ont boué, c'était la carrière. Entreprise fermée. Moi, ouais. Mais est-ce que je dis à nous penser tout? Dans la phase côté nous vivons dans la crise, c'est éliminer un groupe et puis pour nous prendre un groupe pour nous résoudre la crise là avec lui. Nous avons que son bagage est du boulot en pile. Nous travaillons pour que nous remédions à problème ça. Moi, on est au niveau du gouvernement démissionnaire, de pile travail, j'aime ce jour-là, on est là qu'à faire. Nous, pas qu'à boire réponse, parce que je ne vais pas attendre ma question, ça, je vous le dis. Mais, moi, on est que le premier ministre, que je vais demander pour d'ici peu, les gars intervenus sur la radio pour avoir une explication claire sur l'état de problème de salaire que nous avons dans le pays pour qu'on ait qui dans quelle situation chaque institution et comment on a fait pour nous capables de remédier à problème ça. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, Wendell. Et je profite de l'occasion pour me dire, peuple haïtien, un dernier mot pour me dire que. C'est son longue série d'interviews que n'a bien pour nous faire. N'a bien pour nous faire, son gens pour nous venir expliquer. Pour suspendre tant de paroles dans la bouche de monde. Pour le temps de paroles dans la bouche de monde qu'elle te baille pour voir. C'est même dans les affaires contraires. Je crois que aujourd'hui, nous sommes très clairs pour nous expliquer que l'État n'a pas saisi l'usine personne. L'État a protégé intérêt par eux. Intérêt par qui s'allie, c'est le l'argent l'État a dépensé. Pour le faire bien pour vous. Mais l'argent l'État dépensé pour l'aller dans la poche, un groupe, ce n'est pas un terreau. Et l'argent l'État dépensé pour déstabiliser la vie, ce n'est pas un terreau. C'est pour ça une décision difficile, ça va prendre. Décision qui prend pour taux d'intérêt monter pour que un même petit peuple là, qui était inscrit dans le programme à tes plates là, pour réussir un petit crédit là, c'est des décisions qui n'intéressent pas. Quand pas avec moi, décision qui prend pour papège, jeune yo kap gade m la, 142 entreprises qui pas de jeune l'argent, pour nous ka jeune kob. Décision qui prend pour nous capables de jouer nos accords, pour jouer nos gouvernements qui pour permettre l'aide, près de 2,4 milliards de dollars d'aide, de dons et de prêts qui a entré dans caisse l'État pendant 3 ans kap vini pour nous capables de venir au service de nous-mêmes. C'est une décision qui est difficile. Mais ça m'a demandé, calme, demandé compréhension, parce que sans compréhension, c'est pas facile pour route côté de Boalea. Parce que route côté de Boalea est difficile en ville. Ce n'est pas impossible, mais elle est très difficile. Et le chaque monde qui vient devant, ou attendre dans la radio, qui parle avec vous, qui m'a dit, c'est dans la violence pour aller, comprendre. Que ça va dans quel côté que le camène, c'est pour nous aller dans Chita Palea, dans tête ensemble, pour précarité, problème misère que nous connaissons, qui dure en pile dehors, pour nous capables d'attaquer, nous pas attaquer dans l'instabilité, dans la crise brisée, nous pas attaquer dans la sérénité. Merci en plus. Voilà. Équipe Tivika et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons une vidéo pour être capable de joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oups!